Hello tout le monde, moi c'est Coralie, votre coach de fitness. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance intensive ciblée sur les abdominaux. Donc, tu auras besoin de deux petites paires de lestes. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu peux faire la séance sans, il n'y a pas de problème. On se retrouve tout de suite pour un petit échauffement au niveau des abdominaux. Pieds large en bassin, genoux flex, le dos bien droit, les bras le long de ton corps. Tu vas venir simplement faire glisser ta main le long de ton genou et faire pareil de l'autre côté. En gardant le dos bien droit et en aspirant ton nombril à ta colonne vertébrale. Donc là, on va venir échauffer la sangle abdominale et également les obliques. Donc les genoux sont bien flex, tu gardes ton dos bien droit. Imagine-toi que tu as un fil au-dessus de ta tête et qui te tire vers le haut. Aspire bien ton nombril à ta colonne vertébrale. Tu inspires et tu souffles, c'est important. Allez, viens bien chercher l'extérieur de ton genou. Avec ta main, il faut que tu pinces le petit brûlet qui est en train de se former sur le côté. Donc tu le pinces le plus fort possible, tu contractes tes abdominaux. Encore un petit peu. Et on relâche, on vient déplier ses bras à hauteur d'épaule, toujours les genoux légèrement fléchis. On va simplement twister le buste d'un côté, puis de l'autre, en gardant le bassin bien fixe. Ton bassin ne bouge pas, c'est simplement ton buste. Petite rotation, toujours la même chose, tu gardes ton dos bien droit, tu viens inspirer ton nombril et tu contractes ta sangle abdominale. Allez, encore plus que 10, 9, 8, 7. Donc les mains sont toujours alignées au niveau de tes épaules. 4, encore 3, 2, 1. Et tu relâches. C'est parti, on va se retrouver au sol. Ça y est, j'ai mes lestes au pied. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu pourras faire la séance sans. On va faire tomber ses genoux sur un côté. Faire glisser son bras gauche au sol, la première épaule et la deuxième. Et là, tu te retrouves sur le dos tranquillement. On va décoller le bassin, positionner ses mains sous ses fessiers, tendre ses jambes. Tu vas venir plaquer ton dos au sol, c'est important. Aspirer ton nombril, contracter ton périnée. Donc quand tu contractes ton périnée, c'est comme si tu avais une grosse envie de faire pipi. Donc là, t'es là, tu serres, tu serres, tu serres, tu serres, tu serres. On est, donc là, t'es bien. On va descendre la jambe droite vers le bas et remonter tout en gardant ton dos bien droit. C'est parti pour 20. 3, 2, 1, let's go. Allez, 1, on change de jambe. 2, descends bien, plaque ton dos au sol. 3, prends ton temps. 4, 5, sens bien tes abdos travailler. 6, 7, 8, 9, allez, plus que 10, tu lâches pas. 9, quand tu descends, tu souffles fort. 8, allez. Plus que 5. Je sais, ça commence à chauffer. Plaque bien ton dos au sol. Il ne faut pas que tu cambres. 3, 2, 1. Et le dernier. On vient serrer ses jambes. Tu gardes toujours tes mains sous tes fessiers. Tu vas amener tes genoux à la poitrine. Déplier tes jambes et remonter à l'aide de tes abdominaux. Quand tu es ici, tu décolles légèrement les fessiers. Ok? Donc on ramène les genoux à la poitrine. On déplie ses jambes, on contracte les abdos, on monte et on décolle. C'est parti pour 30. 3, 2, 1, let's go. Allez. 1. Deux. Tends tes jambes. 3. On décolle. 4. J'ai toujours envie de partir en chandelle. 5. Tu fléchis, tu ramènes les genoux à la poitrine, tu lèves les fesses. 7. Allez, on y est presque. Ouh, ça chauffe bien. 10, allez, ramène bien les genoux. Prends ton temps quand tu descends. Allez. Ouah. Prends bien ton temps.
Là, on enchaîne un peu plus. Allez, on est presque à 20. 18. Plaque bien ton dos au sol. 19. Allez, plus que 10. Tu lâches pas. 9. 8. 7. 6. 5. J'espère que tu as joué pour moi. Parce que là, je te jure, je suis en train d'écouter. 3. Ah, le bas du ventre là, il est à fond. 2. 1. Presque bien ton nombril. Et 0. On pose les pieds au sol et on relâche un petit peu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire, ok? Alors, les jambes à 90, on décolle les épaules du sol tout en aspirant son nombril. Tu verrouilles tes abdos et tu verrouilles bien ton périnée. Imagine-toi, t'en as une grosse envie de faire pipi, hein, je vais te le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais si tu ne contractes pas ton périnée, malheureusement, le bas du ventre va rester toujours tout mou comme ça. Hein, tu vas très 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 mal travailler le bas du ventre, donc il faut vraiment que tu rentres tout ça. Tu aspires ton nombril et tu verrouilles ce périnée, ok? Allez. Les deux mains derrière la tête, on vient positionner ses petites pouces au niveau de ses oreilles. On écarte les coudes vers l'extérieur. Une distance d'un point entre le menton et la poitrine. Là, tu vas venir twister, ok? Avec ton coude, tu vas venir chercher le genou opposé. 3, 2, 1, c'est parti pour 40. 1. Allez. On lâche pas. Allez, twiste bien. Décolle l'épaule. Ah, ça brûle, ça chauffe. Avec les lats, ce qui est bien, l'avantage, c'est que tu vas travailler ton grand droit, plus tes obliques en même temps. Le haut du ventre, le bas du ventre et les côtés, ok? Allez, on déplie à chaque fois une jambe. Enfin, même les cuisses vont travailler un petit peu. Mais je t'assure que ça va bien piquer au niveau de tes abdominaux. Je pense même que tu vas avoir du mal à faire les 40. Attention, si tu es débutant, bien entendu. C'est pour ça, fais une petite pause, mets sur pause, ok? Et tu reprendras après. Allons, twiste bien. Contracte bien les abdos. Aspire ton nombril. Allez, allez, on lâche rien. Encore, encore, je sais que ça chauffe, que ça fait mal. Allez, on veut cette tablette de chocolat, ce ventre plat. C'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Allez. Encore un peu. Plus que 10. 9. 8. 7. 6. Tu lâches pas. 5. Allez, allez, reste avec moi. 3. 2. 1 et relâche. Ouh. Est-ce que ça va pour l'instant? N'hésite pas à commenter vraiment ton ressenti. Si tu avais vraiment mal aux abdominaux comme moi ou bof bof. N'hésite hein. Pas, tu commentes, tu t'abonnes et tu likes le petit pouce bleu. Allez, on va passer aux obliques. Donc option facile, les jambes à 90, ok? Tu vas écarter tes bras à l'extérieur du tapis, poser tes mains bien à plat sur le tapis, c'est très important. Ok, tu vas légèrement t'aider avec tes petits coudes. Hein, vraiment, tu vas décoller un petit peu les épaules du sol afin de t'aider tes coudes. Donc les jambes à 90, je vais me laisser tomber sur un côté, je contracte mes abdominaux et je remonte à l'aide de mes abdos. Ok, si c'est trop facile, tu tends tes jambes et tu fais la même chose sur le côté. Et je remonte. Allez, c'est parti pour 20. 3, 2, 1, c'est parti. Mets-toi bien sur ta tête, contracte tes abdominaux et remonte. 1. Allez, 2. 3. On lâche pas. 4. Aspire ton nombril. 5. Contracte bien les abdos. 6. 7.
Oh là là, ça tue, hein. 9. 10. Option facile, hein, je te la répète, hein, si jamais t'en peux plus. À la place de t'arrêter, tu repars en option facile. Allez, plus que 7. 6. 5. 4. Tu fais un joli pont. 3. Je crois que ça remonte le tapis en plus. 2. 1. Allez, on tient. Et le 0. Ça tue, hein. Allez, c'est parti pour les levées de bassin. Le plus dur, c'est vraiment le bas du ventre. C'est pas tant le haut, hein. Franchement, ça, il se muscle assez rapidement. Mais c'est vraiment le bas qui est coriace. Donc, on insiste un peu plus. Ok, donc on vient croiser ces petits petons. Les paumes de main toujours à plat sur le tapis. Et à l'extérieur du tapis, hein, sur le sol. Et tu vas ramener simplement tes genoux à la poitrine et redescendre. Option facile, tu poses tes fesses. Plus difficile, tu ne poses pas tes fesses au tapis, ok? On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 30. 1, donc on pose des fesses au début. Les 10 premiers, on pose les fesses. 2. 3, contrôle la descente. Sens tes abdos travailler. 4. 5. 6. 7. Allez, on lâche pas. 8. 9. 10. Allez, sans poser les fesses. 1. C'est plus dur, hein. 2. 3. 4. On lâche pas. 5. Allez, plus que 5. Et après, tu pourras poser les fesses. 4. 3. 2. 1. Les 10 derniers. 10, on pose les fesses. Allez, on vient déplier les jambes. 3. Ouh, ça chauffe. 4. 5. Allez, 6. 7. On tire, on lâche rien. 8, plaque bien ton dos au sol, c'est important. 9, le dernier. Bien posé à chaque fois, regarde, tu vois, je pose. Et 10. Et tu poses. Allez, on va laisser les abdos du bas tranquille. Et on va faire simplement les abdos du bas. Ok, tu viens positionner tes deux mains derrière ta tête. Toujours garder une distance d'un pas entre ton menton et ta poitrine. Et là, on va simplement faire des tout petits crunchs vers le haut. Plein de petits vers le haut. Tu aspires ton lombril, tu verrouilles tes abdominaux. Ok. Et tu décolles bien tes omoplates et tes épaules du sol. On y va pour 50. 3, 2, 1. Rétroversion du bassin. C'est parti. 1. Allez, contracte les abdos. Décolle les épaules. C'est le dernier. Tu lâches pas. Tu vas jusqu'à 50. Ça va vite, on est déjà à 15, 16, 17. Allez, allez. 30, 31, 32. On lâche pas. Plus que 10, 9, allez, 8, 7, encore 6, 5, 4, 3. Plaque ton dos au sol, 2, 1. Et relâche, c'est terminé. Allez, on vient quitter Céleste. Et on va s'étirer tranquillement, ok? Détends tes jambes au sol, les bras en direction de ta tête. On s'étire au maximum, on se grandit. On étire, ça sent l'abdominal, ça fait du bien. Allez, on se grandit, on se grandit, on se grandit. On va venir chercher le côté gauche, puis le côté droit. Enfin, on étire les obliques, grandis-toi au maximum. On revient au milieu, on se grandit. Allez, imagine-toi qu'il y a une personne qui te tire des jambes et des bras. Encore, tu te tires et tire-toi sur le côté gauche. Puis sur le côté droit. Allez, on vient attraper l'arrière de son genou et se basculer pour se mettre sur les fessiers. J'espère que toi aussi, tu as grave senti au niveau des abdominaux. Moi, ça m'a brûlé. Franchement, j'ai vraiment très très mal aux abdos. Je pense que demain, je vais bien les sentir. N'hésite pas à commenter, liker et partager ma vidéo. Tu peux également me retrouver sur Instagram. Je t'ai mis les petits liens en haut.
Donc j'ai d'autres contenus qui sont sympathiques aussi, c'est différent de YouTube, mais ça peut peut-être t'intéresser, donc vas-y, tu peux aller jeter un coup d'œil. Et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Salut!